Donc, je m'appelle Marie de Bax, je suis potière depuis à peu près 6 ans, installée à mon compte. Et voilà. D'où est-ce que tu viens ? Donc, je suis originaire d'Albi. Et pour les prémices de mon travail, j'ai commencé avec un atelier qui était situé dans le Lot, au nord de Cahors, dans un petit village qui s'appelle Uzèche-les-Oules, qui était un village qui est toujours un village de tradition potière où cette identité s'était un peu éteinte. Et donc je faisais partie d'un groupement de potiers, nous étions 7 au plus fort de l'installation des potiers. Et donc j'avais mon petit espace atelier dans le Lot et j'ai souhaité me rapprocher un peu plus de mes racines. Donc voilà, j'ai fait des ricochets et j'ai atterri dans l'Aveyron. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ta boutique finalement ? Qu'est-ce que tu réalises ? Alors, moi je réalise essentiellement des pièces utilitaires, donc c'est de l'art de la table et par extension donc utilitaire décoratif, des vases, toutes sortes des choses pour la décoration, pour la maison, mais c'est vraiment pour. Pour être utilisé, donc c'est du grès, c'est une terre de haute température. Bon, ça après on part dans des aspects techniques, mais mon leitmotiv c'est travailler vraiment comme un artisan qui réalise ses pièces de A à Z. Donc je tourne mes pièces, l'essentiel est tourné, après il y a quelques pièces qui sont façonnées à la plaque. Et donc il y a des tasses à café, des pichets, des bols, et j'essaye de leur donner un petit plus au niveau de la décoration, au niveau des couleurs, des émaux que je fabrique moi-même aussi. Et, des objets pour égayer le quotidien. Voilà, c'est des objets simples qui servent tous les jours ou ponctuellement quand on a envie de faire une belle tablée. Mais c'est vraiment des objets usuels pour faire que un repas soit gai. Et voilà, c'est ma façon de voir les choses. Voilà.